Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur la page Vivre au Mirebeau en ce mardi soir très ensoleillé et super beau temps pour finir ce mois d'août. Et un petit reportage mais pas si loin de Mirebeau-sur-Bèze. On est à Savol, pourquoi? Pour vous faire découvrir une activité atypique, le yoga, la sophrologie et la création. Et le tout dans des yourtes. Vous allez voir des superbes yourtes. Donc je me retourne, vous voyez, il y a les panneaux, il y a la signalétique. Donc ça c'est en venant de Mirebeau-sur-Bèze, si vous reconnaissez. Et on a, vous voyez, le panorama, c'est au carrefour. Donc MHL Yoga et MHL Création fait main. Et donc la boutique est ouverte le samedi de 9h à 12h ou sur rendez-vous. Il y a une page Facebook et une page Instagram et on va aller voir MHL Création, MHL Yoga et MHL Sophrologie. On va se faire inviter et on va visiter ces habitations atypiques, comme vous allez voir. Et donc on a 100 mètres, hein, ça va aller très vite. Hein. Moi, c'est une marque. Et j'ai mis ma casquette hein, parce qu'il y a du soleil. C'est vraiment très beau. Un beau ciel bleu. Et on arrive. Donc on est arrivé devant MHL Yoga, MHL Sophro, MHL Création, Michael Maréchal, sophrologue, comme vous pouvez voir, il y a la plaque, certifié au répertoire national des certifications professionnelles. Sur rendez-vous, il y a le numéro de téléphone 07 83 51 62 90. Et donc on va aller découvrir et après visiter. Vous allez voir, il y a plein de belles surprises. Regardez, et ben c'est des yourtes. Donc on a la yourte numéro 1, la yourte MHL Création, et ensuite on a la yourte numéro 2, MHL Yoga et Sophrologie, que l'on va visiter. On va pénétrer à l'intérieur de la yourte numéro 1, la yourte où il y a la création de bijoux, création de toutes sortes que vous allez pouvoir voir. Et on voit Hélène. Bonjour. On peut rentrer? Allez. Bon. Eh bien Hélène, on va te passer le micro. Et donc, tu vas nous expliquer. Eh bien, bienvenue dans la boutique MHL Création. Donc, du coup, ici sont exposées toutes mes créations faites par moi-même, hein, faites main. Il y a de la fantaisie, il y a du bijou pour à peu près tout le monde, pour toutes les envies. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les colliers, il y a les bracelets, il y a aussi pour les enfants, il y a des fleurs séchées, vous allez trouver des attrape-rêves. De la bougie. Là en ce moment, je vous propose même une petite composition automnale, des fondants. Voilà, on va trouver une large gamme en fait pour toutes les envies. Il y a aussi pour les hommes des bagues, des bracelets pour hommes, encore des boucles d'oreilles. Voilà, enfin, il y en a un peu pour tout le monde et de la lithothérapie. Donc là, c'est la partie bijoux, bougies. Il y a aussi les bracelets de chaussures. Mais voilà. Donc oui, ça c'est toute la partie fantaisie, attrape-rêve. Il y a quelques petits produits dérivés pour étoffer la gamme, notamment des porte-clés pour enfants, adultes. On a des attrape-soleil aussi, voilà. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts, toutes les envies. Et voilà, possibilité aussi de commander sur mesure, on va dire, de demander s'il y a des envies particulières. Donc tu peux nous en dire plus sur la vidéo?
Eh ben oui, allez. Alors sur la lithothérapie, donc j'ai créé quelques bracelets déjà, un peu type, que je propose, qui sont aussi recommandés pour certains moments de l'année aussi en particulier. Et il y a possibilité aussi, parce que maintenant je vous donne aussi des conseils en lithothérapie, de faire des entretiens personnalisés, répondant aux besoins de chacun. J'adapte aussi les bracelets en fonction de la taille du poignet de chacun. Donc, voilà, c'est vraiment personnalisé. On a des pierres roulées, on a des pavots avec des pierres surprises, des kits de démarrage. On va avoir de l'encens, on va avoir des savons au sel de l'Himalaya qui ont des vertus anti-inflammatoires très très intéressantes, des plaques de sélénite, des bougies de lithothérapie, des boucles d'oreilles de lithothérapie avec vraiment des pierres de qualité. Voilà, ça va être un peu une gamme assez large, des petits porte-clés aussi pour les personnes qui veulent des pierres particulières. Voilà, la lithothérapie c'est assez... assez intéressant, on va dire, pour les propriétés des pierres. Donc, tu as des horaires d'ouverture, tu as des pages des réseaux sociaux. Alors, on est sur les réseaux sociaux, donc j'ai une page Facebook, voilà, MHL Création sur la page Facebook. Les horaires d'ouverture, c'est de 9h à midi le samedi matin. Voilà, tous les samedis matins, de 9h à midi, ou sur rendez-vous pour des envies particulières en semaine. Voilà. Merci beaucoup pour cette belle visite de yourte. Là, vous pouvez voir la magnificence de la yourte. Regardez un peu. Magnifique. Et puis, on a l'impression de rentrer dans la caverne d'Ali Baba, comme je disais tout à l'heure. Il faut fouiller, il faut chercher, il faut voilà, trouver son bonheur. Il y en a vraiment pour tout le monde. Nous sommes devant la deuxième yourte chez MHL. On a fait MHL Création auparavant. Et là, on est devant la yourte MHL Yoga et Sophrologie. Et donc, comment je sais que c'est chez MHL? Parce que c'est marqué, regardez, MHL, fait avec des pavés, avec amour, par la personne qui va nous recevoir à l'intérieur. Donc, on rentre à l'intérieur de la superbe yourte. Et c'est le cas de dire bonjour Mickaël. Donc, Mickaël, tu repasses le micro. Bonjour. Donc, Mickaël, on est dans ton entre. Eh bien, bienvenue donc, dans cette yourte de 32 mètres carrés où ça fait déjà depuis un an que je fais des cours de yoga. 5 cours de yoga par semaine pendant les semaines scolaires. On reprend à partir de la semaine prochaine. De nouveau 5 créneaux horaires. Alors, il ne me reste que quelques places parce que 90% des gens... après la première année, ils reviennent, donc c'est très gratifiant, merci. Et donc voilà, donc la yourte, elle est en configuration cabinet de sophrologie actuellement. Ouais. Et mais quand c'est les cours de yoga le soir, et toutes les chaises, tables sortent pour vraiment avoir un grand espace où on est en rond tout autour du tonneau central. Et on pratique une heure de yoga très, très sympa en petit comité de 6 personnes. Donc c'est très chouette. Donc là, le tonneau central, Le tonneau central, là, c'est ça. Regardez le tonneau central, regardez. Une yourte qui vient de Mongolie, via Ganda Yurt de Paris. C'est une boîte parisienne qui importe ses yourtes directement de Mongolie. Ils font même des voyages, eux, pour aller les voir, pour avoir les producteurs et tout. Et voilà, on a acheté la première. 6 mois après, on a acheté la deuxième parce que c'est un produit vraiment de qualité. Derrière, donc deuxième activité qui va démarrer à partir de septembre, donc la sophrologie. Donc sophrologue depuis 2 mois, certifié RNCP. Donc j'ai fait la formation à l'académie de Bourgogne-Franche-Comté à Dijon, par en plus une personne qui a été formée par Caicedo, celui qui a inventé la sophrologie. Donc
Ça a été très très intéressant. Et voilà, donc à partir de septembre, eh ben, j'ouvre le cabinet pour des séances individuelles. Je vais essayer donc de faire aussi la sophrologie en entreprise, quelque chose qui me tient à cœur avec mon passé en entreprise. Je trouve très intéressant en fait. La sophrologie, c'est vraiment une méthode en fait pour vraiment avoir un bien-être en fait personnel. Et le samedi matin également à la mairie de Savol, je propose aussi des séances de groupe de sophrologie, pareil tous les samedis scolaires. Et l'avantage qu'il y a, bah, ça va être donc pendant une année de faire 29 séances de sophrologie à un coût vraiment dérisoire par rapport à une séance individuelle. Et l'objectif, c'est que, alors c'est des pratiques, hein, c'est pas une formation, c'est vraiment vous allez pratiquer la sophrologie tout au long de la semaine pour aller, bah, si tout va bien, si vous revenez 2 ans de suite, aller jusqu'à la fin du 3e degré en sophrologie et ne plus avoir besoin de moi et d'avoir toutes les clés pour derrière le pratiquer chez vous. Donc voilà, donc je vous accueillerai donc en cabinet de sophrologie, donc une petite table pour l'accueil traditionnel, quelques minutes, et puis derrière on se positionnera dans le petit salon pour faire notre séance, nos pratiques, et voilà. Une décoration, ouais, une décoration très très portée sur le Japon, sur le yoga. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de cadeaux aussi de mes yogis l'année dernière qui sont présents dans la décoration. Merci Michael pour cette présentation. Merci à toi, merci beaucoup. Et puis à bientôt sur la page Vivre Mirbeau et la page MHL Yoga et MHL Pratique. Et MHL Sophrologie également. Et on a 3 entités. Au revoir tout le monde.